Bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube. Vous avez pu voir notre ancienne vidéo sur les plages du Nord, là où est-ce que nous étions embourbés dans un champ à cause de notre réservoir qui était resté bloqué. Dans cette superbe région, nous avions été chassés par la police à cause de la période de confinement. Et du coup, on a dû rentrer dans notre région. Et nous allons tout faire aujourd'hui pour que ça ne se réalise pas. Et qu'on puisse justement continuer notre aventure et avancer vers notre objectif. Donc, c'est parti. Après notre escapade du côté de Châteauroux, où est-ce que nous avons pu visiter le parc qui était autour de la base nautique, là où est-ce que nous avons vu des chevaux, des plantes, des bœufs, donc nous vous invitons à aller voir cette vidéo d'ailleurs. Et aussi, alors sur la route, nous avons pu revenir jusque là où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu de la pluie, nous avons eu aussi du soleil et un temps nuageux entre les deux quoi. Et donc c'était une magnifique expérience puisque le paysage était vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. Et il y a beaucoup de verdure et en passant vers ces endroits, nous pensions justement à toutes ces personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux et aussi à ceux qui sont volontairement enfermés dans leur propre quartier. Et vu qu'on est en confinement, là c'est à ceux qui sont involontairement, c'est-à-dire presque tout le monde, enfermés chez eux et qui ne peuvent pas voir justement cette magnifique verdure. Donc c'est un peu une dédicace à vous en vous envoyant tout plein d'énergie positive. Donc prenez soin de cette nature-là, car elle vaut de l'or et on vous l'envoie avec un grand cœur.
Ben voilà, on y est encore en période de restriction. Impossible de pouvoir aller où est-ce qu'on veut aller. Malheureusement, donc on est confiné. Et ben ça prend effet à partir de demain. Bon, je suppose que vous avez pu remarquer qu'il y a un petit décalage justement une semaine et demie à peu près par rapport à l'actualité et ce que nous vivons et ce que vous voyez plutôt. Et du coup, donc bon, il y a un petit décalage et ça nous permet aussi, pour ceux qui sont enfermés chez eux, de pouvoir voyager à travers ce qu'on propose malgré le décalage. Et donc du coup, ben là, on est du côté de Limoges, on n'est pas très loin de Limoges. Donc vous pouvez voir où est-ce qu'on est stationné. On est près d'une rivière, c'est encore un endroit magnifique. Le seul problème, c'est que même que ce soit en fourgon aménagé, en camping-car ou autre, on n'est pas autorisé à être là, donc on va devoir continuer à avancer. On va devoir continuer à avancer. Et logiquement, ben, notre but à la base, avant qu'il y ait cette décision de Covid, c'était d'aller du côté de Toulouse. Voilà. Du coup, ben, on va essayer d'arriver jusque-là. On va faire du mieux qu'on peut. Et une fois arrivé là-bas, ben, c'est essayer de se tenir plus ou moins à carreau jusqu'à la fin du confinement. Et après le confinement, il y a un projet derrière tout ça. Et puis on risque de mettre en place une cagnotte. Donc si ça vous intéresse de nous aider réellement, vous pourrez participer à la cagnotte et aussi découvrir justement ce qu'on a à vous faire découvrir à travers notre voyage. Donc surtout restez connectés, abonnez-vous. C'est un peu triste la situation actuelle de la République. Donc on va faire avec. Et ben, voilà, on espère que tout le monde se portera bien et qu'on puisse passer des moments assez corrects malgré justement ce confinement. Donc je vous souhaite un joyeux confinement en attendant. Donc abonnez-vous, partagez l'information et puis restez connectés en appuyant sur la cloche de notification pour recevoir justement nos nouvelles vidéos, nos nouveaux lieux, notre nouvelle perspective et aussi en savoir plus sur notre projet. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.